Qu'importe les circonstances, à Castres, c'est un jour spécial. Comité d'accueil de rigueur quand Toulouse arrive en ville. C'est vrai que ça reste un match à part, surtout pour nos supporters qui sont privés de stade depuis un moment. Les supporters castrés aiment bien nous recevoir ici à Pierre-Antoine. Le style bien à eux, hein. Par contre, ça fait partie un peu du folklore quand on vient là et on avait un peu perdu l'habitude ces derniers mois. Cure de jouvence pour le leader du top 14 qui dispute ce derby sans ses cadres. Un choix osé, quoique un peu contraint par le calendrier. Mais qu'importe le camp, dira-t-on, à condition tout de même de ne pas trop subir au stade Pierre Fabre. Moins d'un quart d'heure de jeu, quand Johan Huguet, doyen et capitaine d'un 15 de départ inédit, sort groggy, histoire d'abaisser encore davantage la moyenne d'âge d'un stade toulousain quelque peu emprunté. Et rapidement mené 6-0. Parmi la dizaine de rookies alignés par Hugo Mola, certains ont déjà quelques matchs de top 14 au compteur. Par moment, on croirait presque voir leurs aînés. On renie pas notre ADN et on veut tenir le ballon. On a vu qu'on les mettait à mal dès qu'on a enchaîné les temps de jeu. Des soutiens proches, du jeu après contact et une première occasion manquée. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine ? Avant la récompense quelques minutes plus tard. La défense. Ça fait 25 minutes qu'on joue et on voit que cette jeunesse toulousaine, pour l'instant, répond présent avec beaucoup d'envie. Attention, le jeu au pied, dans le dos. Ouais, c'est récupéré et c'est marqué par Dimitri Delibes. Symbole de cette jeunesse sans complexe, le centre Dimitri Delibes, deuxième titularisation chez les pros et déjà 3 essais. L'avantage d'un point ne durera pas. Botitou marque le premier essai d'une équipe castraise, pleinement consciente de la qualité de l'opposition. Je pense qu'il faut respecter l'adversaire. Aujourd'hui, ils font un gros match. C'est peut-être jeune, mais c'est très intéressant. Ils ont une grande équipe. Voilà, ils sont sur une dynamique positive. Donc, nous, il ne faut pas qu'on baisse de pied et qu'on continue à les agresser. Beaucoup de fautes de la part des Blancs. Ici, donc, une pénalité sur le 9 et une deuxième pénalité sur le 9. À chaque fois, c'est lorsqu'on veut mettre du jeu. Donc, il faut vite corriger le tir. D'accord, capitaine ? Il y a surtout des regrets sur le passage de la 40e à la 60e où on tombe malheureusement dans le panneau de touche mêlée, ballon porté, d'un jeu qui ne voit pas. À cet instant du match, le PAC toulousain, 23 ans de moyenne d'âge, a bien du mal à rivaliser en conquête. En face, du jeu minimaliste à l'ancienne efficace, qui permettent à Castres de pouvoir envisager une victoire bonifiée. Dominé devant, impuissant sur cette mêlée, on voit mal les jeunes hommes d'Hugo Mola, capables de relever la tête en fin de match. Si à ce sport-là, tu lâches, tu te fais rouler dessus. Donc non, on y a toujours cru, on a serré les dents jusqu'à la fin. Et ça se joue à pas grand-chose, donc c'est dommage. Les 10 dernières minutes seront pourtant toulousaines. D'abord dans le sillage de Pierre Fouissac, qui initie une action de plus d'une minute trente. À l'arrivée, c'est Thibaut Flamand, un jeune deuxième ligne à l'activité débordante, qui inscrit son premier essai en top 14. Arrêt du temps. Avec l'envie, le cœur, on est revenu et on a cru à la victoire jusqu'à la fin, oui. Le meilleur pour la fin, justement, dans la plus pure tradition toulousaine. Duel remporté par Marty face à Nakossi. Il déclenche alors une improbable relance de 100 mètres, conclue par le meilleur marqueur du championnat. Mathis Lebel, qui faisait presque figure d'ancien malgré ses 22 ans, ramène Toulouse à 2 petits points de Castres. Un retard qui ne sera finalement pas comblé. On a réussi à aller chercher un point ici. On sait que c'est compliqué, donc on peut être fier de nous. Ce point aujourd'hui est hyper important pour la notion de groupe. Une même idée du jeu, un même appétit pour la victoire. Entre fierté et frustration, les espoirs passent tout près d'un exploit dans le derby. À croire que le réservoir toulousain ne s'épuisera jamais. Ça augure malgré tout d'un bon stade toulousain pour les semaines à venir et les années à venir, tant je vois autant de jeunes capables de faire des choses incroyables.